Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les trésors. Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut, papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial. Miaou, 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 youpi. Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée. Non, 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 c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche ou te coincer la tête dans le trou d'un nid ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo. Je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit, atterrit sur ton nez, mon trésor. Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez! Oh, dans le buisson. C'est bon, mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid? Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Mmh. Froid, mamie. Froid comme la glace. Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangées dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Retrouver les trésors de son enfance rappelait à mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Thank you.